Le point 7 aborde ce qu'on aborde généralement en conseil, la création de postes. Donc, le premier, c'est pour les besoins du service bibliothèque dans le cadre de la mise en place du projet médiathèque. Il est nécessaire de créer à compter du 1er janvier 2021 un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps partiel. Non, c'est comme tu veux, mais c'est temps complet. À temps complet. Pourquoi j'ai vu partiel? J'ai lu trop vite, excusez-moi. C'est complet. J'ai lu trop vite. Pour les besoins du service enfant jeunesse, dans le cadre de la réussite d'un agent à un examen, il est nécessaire de créer à compter du 1er décembre 2020 un poste d'adjoint d'animation principale, deuxième classe à temps complet. Donc ça vient à la suite de la réussite d'un examen. Pour les besoins du service urbanisme et afin d'anticiper le départ à la retraite d'un agent, il est nécessaire de créer un poste à compter du 1er janvier 2021, un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet. Et pour les besoins des services techniques, dans le cadre du départ en retraite d'un agent, il est nécessaire de créer à compter du 1er décembre 2020 un poste d'adjoint technique territorial à temps complet. Ces dossiers vous ont été présentés en commission RH. Est-ce que, je suis désolé, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? C'est moi qui suis désolée de poser ces questions, n'ayant pas pu les poser le 9. Moi, j'avais une question quand vous dites les besoins du service urbanisme afin d'anticiper le départ à la retraite. Mmh. Vous anticipez le recrutement, mais enfin, je veux dire le recrutement, oui, mmh. Le recrutement, c'est-à-dire oui. Voir des candidats, oui. On est d'accord ? Oui. Ça ne veut pas dire recruter avant le départ en retraite de la personne ? Si. Si, si, si. Il y aura un tuilage, oui. Il y a un tuilage. De combien de temps ? Il va. Trois mois. Ça vient alourdir certainement le budget. Enfin. Ouais. Alors juste une petite chose qu'on peut ajouter quand même au service urbanisme. Donc elles sont deux actuellement. Une qui donc va partir à la retraite à l'été l'année prochaine et qui toutes les deux sont passées à temps partiel. Donc aujourd'hui elles sont toutes les deux à 80% alors qu'elles étaient à 100%. Donc il y a un 20% qui manque déjà là concrètement. Donc l'idée du tuilage c'est aussi de pouvoir aider ce service qui, vous vous en doutez, est relativement sollicité entre le PLUM et le reste. Donc, du coup, il y a l'idée de remplacer ces deux fois 20% plus l'anticipation du poste au départ à la retraite, puisqu'il faut quand même un tuilage important. C'est des dossiers techniques et un service précis. Donc, pour moi, c'est nécessaire. Non, mais je suis d'accord, c'est votre choix. Par contre, ça, oui, ça pose question, effectivement, sur le coût du coup qui va être imputé au budget RH, forcément. Oui, qui bien, va être majoré. Bien évidemment, mais comme vous le dit Madame le maire, c'est pas un poste anodin. Quand même. Non, mais ça n'empêche pas. Mais c'est quand même de l'argent. Effectivement, faut dissocier aussi la partie budgétaire. Tant mieux si vous vous êtes donné ces moyens-là. Oui, mais je pense que c'est votre choix, mais ça répond à ce qu'on disait au dernier conseil municipal. Vous nous aviez posé la question pourquoi on s'abstenait de manière globale sur le vote du budget. Ça en fait partie. Voilà. Moi, je ne comprends pas forcément au fait qu'on puisse. Je comprends, c'est évident, on connaît tous les difficultés des passations de postes. Mais ça a quand même un coût de faire un tuilage. Trois mois, pour moi, on a vraiment les moyens sur la commune des Sorinières. Voilà, très bien. Merci. Oui, chacun aborde le sujet. Non, mais je respecte votre choix. Juste pour information, elles sont à temps partiel depuis le 1er septembre, donc on peut considérer que depuis le 1er septembre, on fait des économies. Principe. Je me permets, parce que je suis extrêmement surpris de ce type de remarque. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui est à côté de mes, qui compte un peu les sous et j'aime bien qu'on fasse attention au budget. Mais là, on parle quand même de compétences municipales, de formation de personnes. Donc, si on veut que nos agents municipaux, pour lesquels on essaie justement de ne pas être en super effectif et d'avoir le bon dosage, et si on veut que nos agents municipaux apportent le bon service
à nos concitoyens. À un moment donné, il faut les former, quoi. Autrement, s'ils arrivent sur le terrain sans savoir faire le boulot, c'est quand même un problème. Et en l'occurrence, on est sur la commune des Sorinières. On a de cesse de dire, notamment à nos amis de Nantes Métropole, que les Sorinières, c'est pas pareil, on a nos spécificités. Si on veut former si on veut que des agents municipaux viennent dans notre commune et apportent le bon service à nos concitoyens, il faut les former, quoi. De voir... Je peux reprendre la parole, Christelle ? Il y a une autre manière de voir les choses. Après, on peut... moi, je suis d'accord hein, sur la compétence. Je sais ce que c'est. Après, il y a une manière de voir les choses. On peut aussi recruter des gens déjà formés. Ça éviterait ce tuilage. Moi, je ne parle pas du tout des problèmes des compétences. Bien évidemment, il faut des compétences. Bonne personne au bon poste. Ça, on est bien OK là-dessus. Je dis, on se donne les moyens aux Sorinières de pouvoir s'offrir ça. C'est quand même pas normalement de coutume aujourd'hui, quand même, dans les fonctions publiques ou territoriales, de pouvoir tuiler. Je ne parle pas de compétences toujours là, mais en termes budgétaires, c'est quand même un coût, il faut le dire. Et vous avez ce choix. Ben, vous l'assumez, il n'y a pas de souci. C'est votre choix. Voilà. Moi, je ne parle pas du tout des compétences. Mais bien sûr qu'on l'assume. Et les compétences, ce n'est pas simplement des compétences techniques, c'est aussi des connaissances terrain. C'est capital. C'est capital de connaître, de connaître les habitants. Tanguy. Vas-y, Tanguy, à toi. Vas-y, Tanguy. Alors, moi, je vais rajouter quelque chose, parce que il y a un historique dans l'urbanisme, c'est des services extrêmement importants pour la population. Et oui, nous, on assume complètement que le tuilage se fasse dans de bonnes conditions dans les services, entre les anciens personnels et le nouveau personnel. Parce qu'on sait très bien que si ça se passait mal, l'opposition, et vous en particulier, Muret Duo, seraient les premiers à nous reprocher d'avoir fait une mauvaise transition. Donc, on assume complètement... nos choix, et dans l'intérêt des citoyens, de nos concitoyens aux Sorinières, et dans l'intérêt des personnels du service urbanisme. Moi, je veux ajouter juste une petite chose. Je trouve que c'est extrêmement important, surtout actuellement, tu ne me diras pas l'inverse par rapport au métier que tu fais et au stress que tu dois avoir tous les jours, etc. Je trouve que c'est extrêmement important en ce moment. On ne se rend pas compte... De l'implication de nos agents ici et ailleurs hein, au quotidien pour le bien-être de nos habitants qui sont en ce moment entre tous les problèmes avec le plan Vigipirate, tout ce qu'on a comme privation de liberté, tout ce qui est crise sanitaire, économique, etc. Aujourd'hui, sur le temps de travail, en fait, on fait du métro au boulot dodo, hein, donc nos agents en premier. Donc si en plus on ne met pas les conditions nécessaires pour qu'on puisse avoir des agents qui, au travail, puissent se dire qu'ils sont un peu considérés, moi, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, je le redis, il y a deux temps partiels. Donc, elles sont depuis le 1er septembre à temps partiel, alors qu'elles étaient à temps complet. Donc, on imagine bien que le travail s'accumule et il n'a pas diminué. Et que le temps que la nouvelle personne arrive, ça ne sera pas avant février ou mars. Et donc, ça va continuer à se cumuler pour, au final, avoir un tuilage qui finalement va être sur 3 mois, puisque au mois de juin, elle devra prendre ses congés et partir à la retraite. Donc moi, je trouve que ce n'est pas du tout du gaspillage. Pour moi, c'est un investissement. Et derrière, je suis persuadée qu'on y gagnera. Si tu m'autorises à prendre la dernière fois, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut clore aussi ce genre de débat, je voudrais répondre à l'attaque personnelle que me fait monsieur, en disant que je serai la première à aller... je n'ai pas vocation à aller regarder comment vous managez vos équipes, puisque je ne suis pas inclus, donc ça serait malvenu de ma part, déjà, Edin. Ce n'est pas du tout ma manière de faire. Donc moi, en général, je ne critique que ce que je vois, c'est que ça reste factuel. Donc je n'irai certainement pas me mêler de ce qui me regarde peur, puisque ce n'est pas ma gestion, et managériale, et de budget. Donc voilà, en tout cas managériale. Donc je n'irai certainement pas le faire. Je ne parle pas des compétences des personnes... Je ne vous ai jamais remis en question sur le fait que vous
que les personnes soient mal gérées ou que vous gérez mal. Donc ne partez pas sur ce sujet. Je pense que là, c'est une voie de garage. Ce n'est pas du tout mon propos depuis le début, ni de compétences, ni rien du tout. Je dis que vous assumez les choix, et ça a un coût. Et voilà, j'entends que Madame le maire le transmet. Moi, je ne remets pas en question votre choix. Je dis que ça a quand même un coût, et que vous autorisez, oui, vous assumez ce choix. Ben, OK, mais non, ne partez pas sur une autre réponse que je n'ai jamais abordé les compétences, d'ailleurs, les personnes. Jamais, 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 jamais. C'est tout. J'ai le droit quand même de dire que ça, par contre, c'est factuel et ça se verra sur le budget 2021-2022. On est bien d'accord. Donc ça sera factuel et ça, je pourrais le redire. Par contre, moi, sur la gestion des compétences, c'est vous qui avez la main. Donc voilà. Et moi, je n'ai pas d'indicateur aujourd'hui pour dire que vous gérez mal vos agents. Je voulais le dire quand même. Merci. Et Bruno, conclure. Je vais faire trop... Très court, parce qu'effectivement, il faut clore ce débat-là. Il y a eu beaucoup d'interventions. Je vais peut-être être redondant par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant. Oui, on l'assume. Oui, il y a obligation de placer nos agents dans les meilleures conditions pour exercer leur mission. Oui, ça fait partie de nos obligations, faire en sorte que nos services soient les plus efficaces possibles pour répondre aux attentes des habitants. Par ailleurs, je vais rajouter un dernier point. On a échangé précédemment sur la situation économique et les dispositions qu'on pouvait envisager, etc. Le service urbaniste, c'est quand même un service, j'allais dire, sensible, entre guillemets. Je ne sais pas si le terme est approprié. Comment on pourrait envisager des dysfonctionnements dans ce service qui impactent le traitement des dossiers et qui ont pour voie de conséquence aussi d'avoir un impact sur la situation économique qu'on connaît, parce qu'on ne serait pas en situation de traiter les dossiers de manière efficace, et donc ça serait encore plus de temps. Il y a aussi cette question-là. On a obligation de traiter nos missions avec efficacité, et nos agents le font très bien, et nous, en tant qu'élus, on les place, et on essaie de les placer dans les meilleures situations de conditions de travail pour assurer leur mission pleinement avec efficacité. Il n'y a plus d'intervention. Je pense que c'est un vaste débat. On assume, et je suis fier de l'assumer avec mes collègues, avec Madame le maire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que les habitants des Sorinières, je ne sais pas s'ils mesureront ce que ça peut représenter, mais je pense que s'ils n'étaient pas satisfaits demain, ils sauraient nous le dire. Donc voilà, donc on assume, on fait des choix. Et il n'y a pas de souci. Mais je reconnais pleinement le fait que vous puissiez avoir une opinion différente. Ce n'est pas un problème. Mais j'assume pleinement. Pas tout seul, d'ailleurs. Donc, je vais passer au vote. Qui est contre ces créations de postes? Qui s'abstient? Deux abstentions. Okay. Et qui est pour? Je vous remercie. Avant de passer au point suivant, Madame Dubois, je fais simplement. Je vous avais promis une réponse entre la différence concernant le tableau des effectifs entre la différentielle entre les ETP temps plein et les ETP rémunérés. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors du dernier conseil. Alors, je crois savoir quand même que vous avez eu la réponse depuis, mais comme je m'étais engagé à vous le faire, je vais vous la donner. Elle m'a été donnée. Je ne l'ai pas inventée. Elle m'a été donnée par le service ressources humaines de la mairie. Et la différence concernant le tableau des effectifs, le différentiel entre les effectifs ETP et les effectifs rémunérés s'explique par les agents à temps partiel. En effet, un agent à temps partiel à 80% ETP 0,8 est rémunéré à 85,7%. Et un agent à temps partiel à 90% un ETP 0,9 est rémunéré à 91,4%. C'est une mesure qui est propre à la fonction publique et qui explique ce différentiel entre les ETP temps plein et les ETP rémunérés. Voilà. Mais je vous avais promis cette réponse, je vous la donne, c'est celle qui m'a été donnée. Donc voilà, à moins que vous ayez des informations différentes, mais je pense que vous l'avez eue, cette info, puisqu'elle vous a été communiquée en direct. Merci de me dire des choses que je connais depuis plus de 20 ans, puisque je vous rappelle, je suis cadre supérieur de santé au CHU de Nantes. Et entre autres, dans mes missions, forcément, je gère des tableaux des emplois de plus de 800 agents.
8 à 100, 900 agents, donc je connais très très bien la différentielle entre les ETP budgétés rémunérés et travaillés, bien que c'est un indicateur qui ne veut plus trop rien dire. Moi, je ne vous demandais pas l'explication de texte, parce que ça, je la connais par cœur. C'était pourquoi le rémunérer dans ce tableau. Mais ça revient à ce qu'on vient de dire. Je peux comprendre maintenant, puisque il y a des choix qui sont faits qui font que le rémunéré dépasse le budgété. C'est tout. Voilà. C'est là aussi des choix. C'est des choix. Voilà. Merci. Je vous remercie. Mais c'est entre les choix et l'obligation et les règles qui régissent la fonction publique, je pense que c'est les règles de la fonction publique qui s'appliquent, pardon, plus qu'à des choix. Mais voilà, je vous avais promis la réponse, je vous l'ai donnée, mais je me doutais bien que vous l'aviez de par vous-même, donc ce n'était pas un souci. Le point 8, c'est l'adhésion au contrat de groupe d'assurance statutaire du centre de gestion. Alors là aussi, c'est un point important. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la lecture de l'attendu? Je pense que vous l'avez tous lu. C'est la reconduction. Il était nécessaire d'adhérer de nouveau à un contrat de groupe d'assurance statutaire pour les agents. Ça s'est fait au titre de Nantes Métropole. Et il y a eu 4 sociétés qui ont été sollicitées. Enfin, il y a eu 4 réponses, mais il y en a une qui n'était pas éligible, puisque c'est le groupe, je ne saurais vous dire, mais je vais vous le donner tout de suite, qui ne remplissait pas toutes les conditions qui étaient demandées par justement la fonction publique. Donc il est nécessaire d'adhérer à ce nouveau groupe. Il y a effectivement une augmentation. Monsieur Burnot a posé un certain nombre de questions en commission, questions auxquelles il a été répondu par le service RH. Je ne sais pas si ces réponses vous ont satisfait, mais pour moi, elles me sont très claires. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions à ce sujet-là. J'ai pas de questions complémentaires. Les réponses ont été claires, mais à nos questions, donc... Il n'y a pas de besoin complémentaire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Peut-être juste rappeler que l'inquiétude qu'il y a eu en commission, c'est important quand même, c'est l'augmentation qui est importante sur le contrat d'assurance. Et ensuite, les réponses qui nous ont été données, au final, c'est que le risque, l'augmentation paraît importante comme ça, mais bon, d'abord, elle est liée évidemment à des chiffres qui sont liés à des risques, comme tous les assurances, nos assurances auto, etc. On voit bien, ça fonctionne comme ça. Et ensuite, les réponses qui ont été faites par Alexandra au niveau de la RH, c'est que effectivement, on avait nos garanties étaient importantes à conserver pour pouvoir garder le risque justement de que ça nous coûte beaucoup plus cher si nous n'étions pas assurés. C'est un petit peu comme dans la vie normale, ordinaire de nos assurances auto ou habitation. Si on n'est pas assuré, on prend le risque que le jour où il nous arrive quelque chose, ça nous coûte beaucoup plus cher. Et là, on parle quand même d'accidents de travail, d'invalidité, de maladies professionnelles. Donc là, on est sur des risques qui sont humains en plus. Donc on ne peut pas lésiner là-dessus. Mais effectivement, il y avait quelque chose qui nous avait questionné là-dessus. David, oui. Donc, sur ces réponses-là, je pense qu'il y a un travail qu'il va falloir faire en termes de prévention pour pouvoir diminuer les accidents du travail et autres, pour qu'on puisse éventuellement, au bout de 2 ans, revoir les termes du contrat et notamment le taux de couverture qu'on a eu en forte augmentation sur ce nouveau contrat. De toute façon, je pense que tout ça, c'est lié entre la qualité de vie au travail, les accidents du travail, la maladie, tout ça. On traverse des périodes qui ne sont pas simples. Donc il faut aussi je ne pense pas qu'on soit en droit de pénaliser les agents de la commune sur une négociation à minima ou moindre par rapport au contrat qu'on a jusqu'à présent. Mais vous avez raison. Ce contrat peut être révisé dans 2 ans. On part pour 2 ans. Et dans 2 ans, on aura tout loisir de regarder et les chiffres et de renégocier quelque chose, bien évidemment. Il faut travailler sur le qualitatif pour les agents, les conditions de travail des agents, la qualité du travail, etc., pour pouvoir derrière avoir
les impacts financiers en positif qui vont aller sur sa qualité de vie. Bien évidemment, mais je pense que c'est un sujet qui sensibilise tout le monde au niveau des agents de la commune, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sachant déjà que la commune sait faire les efforts nécessaires quand il s'agit des questions très matérielles, hein, de donner les outils les plus performants possibles aux agents, de façon à ce qu'ils travaillent le mieux possible. On parlait de qualité de vie au travail, ça en fait partie. D'autres interventions sur ce sujet ? Damien ? C'est juste pour rappel par rapport à la commission qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Hein, c'est que ce que tu dis, David, c'est ce qu'on a tous dit, majorité, opposition, en commission. Hein. Tout à fait. Donc je pense que sur ce sujet-là, il y avait un consensus à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Donc je vous propose de passer au vote qui est contre l'adhésion au contrat de groupe d'assurance statutaire du centre de gestion. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Merci. Donc le point numéro 9, qui est une... on a voté la modification... Enfin, on n'en a pas voté, on va la voter là, mais on a voté le règlement intérieur au dernier conseil municipal. Et vous savez que nos délibérations, après, passent au service de législatif qui regarde à la préfecture la validation de nos délibérations pour vérifier si elles sont conformes. Donc, on a eu un retour de la préfecture sur cette délibération du Conseil, notamment sur, vous le voyez, l'article 4-3, le chapitre 3, qui était sur le déroulement des séances du règlement, qui prévoyait notamment, vous rappelez, on parlait des questions orales, qu'ils devaient être données, et on avait donc ajouté qu'elles pouvaient être données de façon écrite, soit par mail, soit par directement à la mairie, sous 48 heures. Et c'est ce point-là qui a été donné à corriger par la préfecture, puisque la préfecture estime qu'on peut même raccourcir ce délai et donner 24 heures. Donc ce qui peut dire que dorénavant, si on valide ce soir la modification, mais bon, c'est de l'intérêt, ça, c'est la préfecture qui nous le demande, donc on a plutôt intérêt à être en accord avec ça. Donc on raccourcit le délai, il n'y a plus 48 heures pour pouvoir poser les questions orales via un courrier ou via Internet, comme on l'avait dit, mais bien 24 heures. Voilà la modification qu'on vous propose d'adopter ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette modification ? Voilà, donc je vous propose de passer. Oui, il te faut le micro, par contre. Non, on est obligé de le faire ? Oui, 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 oui. D'accord. Non, oui. notre chef, c'est le préfet, hein, tout d'abord. Donc la seule modification, ça sera celle-ci. Donc je passe au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci beaucoup. Donc on a terminé notre ordre du jour. La séance est donc levée. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous en cette période compliquée. Le prochain conseil municipal, c'est le 17 décembre. Pour vous dire comment il sera, je vous propose qu'on attende les annonces, puisque nous sommes dépendants complètement de ce qui sera annoncé, a priori, courant de semaine prochaine. Voilà. Merci, bonne soirée.